Révérend Guitars, aujourd'hui dans Tone Factory, une marque que vous nous avez beaucoup demandé dans les commentaires des vidéos au fil de ces dernières années. Et voilà, enfin, on vous montre une Révérend, aujourd'hui la Double Agent, une guitare super cool à jouer. On a envie de partir sur la route avec, c'est le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est une guitare solide qui est faite pour le rock'n'roll. On a vraiment envie de la mettre dans le geek bag et de tracer la route sans aucune crainte. C'est un instrument fiable, résonant, hyper bien réglé, enfin bref, ça marche très très bien, on va le voir tout au long de cette vidéo. Une guitare qui a deux micros, donc qui est très très polyvalente, alors ça c'est sur le papier, c'est pas forcément le cas de toutes les guitares qui ont un P90 et un double, mais pour le coup là, on peut vraiment avoir plein de sons différents et rentrer dans des univers très très particuliers et très différents. Voilà, que ce soit du jazz, du blues, du rock, du hard rock et des musiques un peu plus extrêmes, il n'y a aucun problème pour cette Révérend Double Agent. Alors, au lieu de parler, parce que j'ai beaucoup parlé, déjà beaucoup trop, on va jouer de la musique. On est aujourd'hui branché sur mon Bluebird, il n'y a pas de pédale d'effet, il n'y a pas de distorsion, c'est la distorsion naturelle de l'ampli que vous entendez. C'est parti. Beep, beep, beep.
Bah voilà, ça fait tout, une guitare comme ça. Et ça fait tout très très bien. J'adore la position centrale avec le P90 et le humbucker mélangé. Ça, ça marche super bien. Et l'électronique est vraiment d'enfer. Je sais pas si vous avez remarqué à quel point ça fait bien les effets que je veux chercher parfois, comme je joue beaucoup au volume et à la tonalité de la guitare, comme le Woman Tone par exemple, que j'ai fait à la fin de ce blues. C'est vraiment nickel. On perd jamais de volume, on perd jamais de dynamique. Il y a une électronique un peu particulière dans cette révérend Double Agent. On a un volume ici, une tonalité. Alors jusque-là, vous me direz, rien de particulier. Mais là, on a un bass contour boost, on va dire plus contrôle, parce que c'est quelque chose qui vient un petit peu ramener du bas à la guitare si on en manque. Alors là, pour le coup, il était à peu près au tiers depuis le début de cette vidéo. Justement, on va s'amuser un petit peu avec. On va se remettre sur le P90. Parce que quand même, j'ai mes petites préférences. Hein. Et on va écouter à quoi ça sert, ce petit potard qui est là, au fond de la guitare. Alors, vous aurez remarqué aussi l'ergonomie de l'instrument. On a le volume là, au petit doigt, ça c'est parfait. La tone ici, le vibrato ici, parfait, le sélecteur là. C'est franchement très très bien pensé. Et en plus de ça, donc, vous allez voir que ce petit bouton là, qui est un petit peu à l'extrémité de la guitare, bah, il va faire la différence, un petit peu la botte secrète finalement de cette révérende Double Agent. Bass boost, on va l'appeler comme ça, vous avez vu qu'en fait ça booste un tout petit peu le micro, au-delà de ça, ça lui rajoute un petit peu de rondeur. Alors c'est super quand on veut faire des trucs un petit peu plus roots, jouer au doigt, etc., avoir ce son qui craque un peu plus, on a l'impression que le micro est tout simplement plus puissant, mais aussi un peu moins défini forcément quand on joue avec les distorsions. Donc là j'ai tendance à baisser un petit peu ce bouton quand je vais jouer avec une grosse distorsion. Par contre, quand je vais baisser mon volume ici, ce qui est cool, c'est de ramener un petit peu de corps au micro. Ça, c'est très 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 cool. On a envie de jouer des trucs un peu plus blues, jazz, etc. Et on a une guitare qui est tout le temps pleine. Ça permet de rattraper un petit peu le manque qu'on pourrait avoir. C'est très intelligent de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de guitares qui ont ce genre d'options, mais je trouve que c'est super, notamment bah, pour des gens comme moi, entre autres, qui jouent au potentiomètre, c'est-à-dire au volume et à la tonalité de la guitare. C'est très important. Les micros qui marchent mortels, on va en parler tout de suite, c'est des micros maison, c'est Révérend qui fait ses propres micros, le P90 qui est là et le double bobinage qui est ici. C'est franchement très réussi, le P90 a un super caractère, j'ai un gros coup de cœur pour ce micro. Alors au niveau lutherie sur cette guitare, sur cette Double Agent, comme sur toutes les Révérends, on a un corps en Corina, voilà, c'est la particularité de la marque. On a un manche en érable torréfié pour être très précis. Des frettes qui sont un petit peu grosses, ça c'est normalement pas trop mon truc, mais le manche étant assez standard, ça se joue très bien, ça reste assez neutre. C'est pas non plus des méga jumbo hein, au niveau frettes, ça reste facile d'accès et très très facile à jouer. Comme je vous le disais, le manche, c'est un manche Fender, type Fender, vraiment standard. Des mécaniques à blocage qui sont super. Alors la guitare, gros gros point fort, je tiens à le dire. Je l'ai reçue, je l'ai sortie, accordée. Elle n'a pas bougé d'un iota, et en ce moment, les conditions météo sont quand même compliquées, les guitares bougent, se désaccordent, il fait très très chaud, il y a un taux d'humidité qui n'est pas du tout idéal pour ces guitares, en plus un instrument neuf, et le réglage est juste parfait. C'est très bas comme j'aime, ça résonne parfaitement, ça frise pas. On a une belle belle résonance, ça vient du Corina, hein, c'est Révérend qui l'explique un petit peu ça sur les specs. Alors bon, moi j'ai tendance à me méfier de ce genre de discours, parce que au premier abord, on a une guitare qui a quand même un vernis un peu épais, etc., et puis finalement on la joue et ça résonne, ça c'est très important pour moi, une guitare vraiment vivante.
Voilà, c'est, sinon, honnêtement, je ne vous l'aurais pas montré. J'ai horreur des guitares qui sont figées et qui ne résonnent pas. Ça, c'est vraiment un point fort de cet instrument. Et on peut facilement, d'ailleurs, imaginer que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, ça va sonner encore plus fort, comme toutes les guitares. Plus on les joue, plus ça s'ouvre. Voilà, donc, pour cette partie lutherie, également un super vibrato de chez Wilkinson, avec cette tige de vibrato, moderne en termes de look, on aime, on n'aime pas, en attendant, ça marche d'enfer, parce que ça revient tout de suite, on n'est jamais désaccordé, même quand on tape dedans, très très fort. Ça me donne envie un petit peu de m'énerver sur la guitare, voilà, de jouer des trucs un peu plus rock'n'roll. Alors, ce que je vous propose, c'est de brancher une fuzz sur mon Bluebird, d'ailleurs, sur lequel Bluebird, et de voir ce que ça donne dans des styles encore un peu plus énervés. Sorti la Octa Hive de chez Beatronix, une fuzz qu'on adore, qu'on a gardé précieusement avec nous, parce que c'est vraiment une de nos fuzz préférées à Tone Factory. Et cette guitare-là m'étonne vraiment beaucoup, parce que, alors ça, surtout à fond, c'est un bon test pour voir si les micros ont de la précision, et si on ressort des choses, ou si c'est vraiment trop le bazar, et si on peut rien jouer. Et là, franchement, il y a des choses qui ressortent, et surtout au volume de la guitare, notamment avec ce bass boost à un moment donné, pour faire vraiment craquer l'ampli, c'est hyper intéressant. Il y a du gros son, hein. C'est franchement une guitare aussi pour faire ça sans problème. Je suis très très surpris par ce P90, je le redis, mais il marche vraiment bien ce micro. Franchement, c'est très très étonnant, c'est étonnant comme guitare. On s'attend à quelque chose qui peut, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être manquer de caractère au premier abord, hormis le look, on n'en a pas parlé, qui est quand même très original, avec la patte révérend, notamment cette tête de guitare qui est la signature un petit peu de la marque. Mais à part ça, voilà, on se dit, bon, c'est une guitare peut-être un petit peu quelconque qui va tout jouer, mais rien de très très bien, et finalement, en fait, c'est une guitare de caractère, c'est une guitare qui a vraiment son truc à elle, avec une très très belle personnalité, et je dirais qu'en fait, elle est super attachante. On peut tout faire ici. Tout, on n'a pas tout fait d'ailleurs dans cet épisode. On n'a pas fait de son clair, donc ce que je vous propose, c'est de se quitter. On va brancher le F-Type de Kelt qui est derrière moi, avec cette guitare, pour voir ce qu'elle donne en son clair, justement. J'espère que cet épisode vous a plu. Une guitare à tester, la Reverend Double Agent. Voilà, on vous a mis toutes les infos sous cette vidéo, comme d'habitude, sur cette guitare. Et puis on se retrouve au prochain épisode de Tone Factory. Ciao les amis.